Juste après le major, j'ai tweeté qu'on avait fait le tour sur CSGO et que la méta était, j'ai envie de dire, saturée et qu'il on avait cruellement besoin, j'ai envie de dire, de, 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 de changements. Donc voilà ce que j'avais soumis. C'était le 14 novembre que j'avais tweeté ça. Il faut nerf la M4S, revoir l'économie en CT et en terreau, selon moi. Euh, Changement sur les nades potentiels. Ouais, voilà, si on peut les dropper, si on peut plus les dropper, euh, ce genre de truc. La WAP qui était trop puissant. Moi, c'était mon ressenti. Et euh, potentiellement des rotations de map pour du renouveau et ce genre de trucs. Donc ça, c'était le 14 novembre. Et figurez-vous que, bah, voilà. Après le major, qu'est-ce qui s'est passé Mise à jour de valve et là, gros changement drastique. Voilà, le jeu va totalement prendre une autre tournure. Skin baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CS:GO nettement moins cher que sur le Steam Market et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou un, il y a d'autres euh, modes de paiement bien sûr vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins on kick d, -D 2 2 du mapool officiel voilà d, -D 2 ne fera plus partie du mapool compétitif il sera toujours jouable pour la communauté les casus vous, moi, etc Faceit, etc à savoir si eux vont le changer mais matchmaking Faceit ESEA et tout ça normalement D2 sera toujours là mais pour le, le, le map pool compétitif, ça veut dire que tous les tournants professionnels aujourd'hui n'auront plus de 2-2 et c'est Anubis qui prend euh, la place de D2 donc là je suis vraiment dubitatif de ouf sur cette map. Nerf de la M4S elle prend un nerf, on va en parler euh, tout de suite et euh, je vous ai euh, potentiellement fait aussi une vidéo, une séquence où je compare la M4A4 et la M4S mais pour moi la M4S reste au-dessus je vous fais un résumé euh, de, très basique elle reste au-dessus, si vous voulez aller voir pourquoi et, et ce genre de choses, il faut aller voir la vidéo euh, Nerf à WAP, je sais pas si c'est euh, oufissime ce qu'il a, on passe d'un 10, euh, 10 balles dans le chargeur à 5 balles je ne suis pas persuadé que ça change quelque chose. Pour la M4S, grosso modo, je vous, fais, je vous la fais très très courte, à partir de cette distance, maintenant, il faudra 5 balles pour tuer son adversaire et pas 4 comme c'était le cas avant. Donc vraiment, c'est que sur les mid-distance et sur les longues distances que ça va avoir un impact, le nerf de la M4S. Pour moi, en gros... La M4S restera au dessus rien que sur le fait qu'elle coûte 2900 dollars juste sur l'économie juste sur l'économie parce qu'en fait le site CT aujourd'hui est devenu très fort par rapport à la M4S qui est très puissante bien évidemment mais par rapport au prix de la M4S surtout qui permet en fait au CT de racheter continuellement d'être très rarement en écho et le 3K1 euh, par rapport à 2K9 pour la A4 et la S, elle eh ben, fait que c'est une flash en plus, c'est un save en plus, surtout qu'aujourd'hui on peut se dropper des flashs et ce genre de choses, donc ça veut dire que si quelqu'un peut s'acheter entre guillemets un 5-7 et un petit Kev et que toi tu as un peu d'argent vu que tu save et tu lui drops des flashs, etc., enfin, écono économiquement, il faut comprendre que c'est. C'est vraiment un changement qui est important parce que 200 dollars d'économiser sur un groupe de 5 joueurs, ça fait 1000 dollars d'économiser sur chaque session de round où il y a des achats et notamment sur les drops des grenades et ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que je dis qu'il fallait revoir un petit peu l'économie et potentiellement la WAP à 5 balles, bah, je ne suis vraiment pas convaincu que ça change quoi que ce soit. Il va falloir juste, euh, voilà, dans certaines situations, éviter les spams dans les smokes, éviter les wallbang et ce genre de trucs. Mais grosso modo, fin, 5 balles, l'arme restera toujours puissante. Pour moi, peut-être fallait réévaluer son et peut-être l'augmenter, voilà, est à 4700 ou 4750 la passer à 5k pour euh, vraiment valider cet achat et que ce soit un gros risque euh, économique d'acheter la WAP et de, et de le garder avec beaucoup de, de précautions s'il fallait la save etc parce que c'est une arme très importante voilà moi ce que j'en pense et surtout gros changement avec euh, Anubis voilà Anubis désormais qui sera euh, la map officielle euh, du, euh, du map pool et moi je suis extrêmement déçu alors je peux comprendre Valve qui veulent mettre en place et qui veulent mettre en avant leur map à eux et ce genre de choses et les mettre en avant pour la communauté pour moi Anubis c'était vraiment une map casu quoi. C'était vraiment une map du matchmaking. Euh, Peut-être que vous vous l'appréciez en termes casu, mais compétitivement, pour l'instant, elle a vraiment beaucoup de défauts. Euh, donc il va y avoir des gros rework dessus, c'est sûr à 100%. Parce que euh, déjà, ne serait-ce qu'au niveau des dispositions des spawns et euh, les choke points, les zones neutres quand on y arrive en fonction des spawns, etc. Il y a beaucoup trop d'anomalies pour le moment. Il y a les terreaux qui arrivent avant, il y a les CT qui arrivent avant. On peut pas smoker des zones Enfin, euh, on, on peut smoker des zones que une fois que les mecs sont déjà passés et tout. Pour l'instant, elle est vraiment désastreuse. Euh, je parle vraiment d'un aspect compliqué. Et on est tous tristes en fait. Il y a Train euh, qui était apprécié qui n'est toujours plus dans ma poule. Il y a Cache qui était très apprécié qui n'est toujours plus dans ma poule. Là, on retire D2 qui est une map très populaire alors qu'il y a des maps qui sont euh, un petit peu boudées euh, par un peu tout le monde. On va pas se cacher que Ancien et Vertigo sont des maps, voilà, pas de ouf, appréciées par la commune. Overpass est là depuis un moment. Elle aurait eu peut-être besoin aussi d'un petit rework. Vertigo, il faut du rework sur Vertigo. Alors, je dis pas la retirer pour pour pouvoir la retravailler etc mais anubis pour enlever des deux on a du mal surtout aussi que mirage et la map historique qui a, qui a changé le qui a changé en tout cas le, il y a le plus longtemps en gros et donc c'est très compliqué euh, moi je suis euh, satisfait de cette mise à jour dans le sens où il faut un, un rééquilibrage avec la M4A4, la M4S, etc. Est-ce que ça va être suffisant Pour moi, non, parce que euh, la M4S reste euh, entre guillemets plus facile à prendre en main, euh, qu'elle tirera toujours en 4 balles au euh, corps à corps et à mi-distance, qu'à partir d'une certaine distance en particulier, c'est la M4A4 qui sera euh, plus forte, mais au final, faire un spray longue distance avec une M4A4, je suis désolé, mais il faut savoir contrôler son spray et ce genre de choses. Pour les casus, euh, la M4S restera toujours au-dessus. Au 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 et pour le au niveau, eh ben c'est l'efficacité qui prime. Donc, faire un kill, assurer un kill et repartir et se repositionner restera toujours plus avantageux que avoir de la difficulté avec une A4 à maîtriser un spray et pas pouvoir forcément se repositionner parce qu'on euh, a euh, donc le, le signal sonore qui donne notre position, on a les balles traçantes qui donnent aussi notre position. Donc pour les wall etc, c'est plus compliqué. Enfin, vous comprenez qu'en termes d'efficacité, la M4S selon moi elle reste pareil et surtout elle énerve. Il va falloir 5 balles pour tuer un mec. Et c'est déjà le cas de la M4A4. Alors le fire rate, euh, la cadence de tir est toujours plus élevée. Donc les 5 balles partiront plus vite avec une A4 qu'avec une M4S. Mais le spray est plus difficile avec la A4 qu'avec une M4S. Donc si tu chies un peu dans ton spray, ce n'est pas 5 balles, mais c'est plus ou moins 8-9 balles qu'il va falloir lâcher. Hein On le sait qu'il y a des perditions dans les sprays. Il y a une balle qui ne touchera pas forcément l'adversaire. C'est pareil pour la M4S. Alors que la M4S est plus concentrée. Donc tu as plus de, je pense, de chances de toucher 5 balles. Euh, avec moins de perdition que 5 balles avec une A4 avec beaucoup de perdition, même si la cadence de tir est plus élevée, selon moi. Donc, pour le moment, je suis pas convaincu du nerf, mais euh... on va vers un rééquilibrage. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose. Pour moi, il faut tout simplement mettre les armes. Euh, peut-être peut la A4 à 3000. Ouais, peut-être la A4 à 3000 et l'autre à 2K9. Là, il y aurait un match. Mais 3K1, 2K9, pour moi, c'est vraiment trop important. Rien que par rapport au prix, euh, je ne la justifie pas, en fait. Tout simplement, le, le combat, le duel des deux, je ne le justifie pas personnellement.